Alors, cette web conférence est la sixième du cycle Les Comment de la maternité. La sixième, même si effectivement la quatrième a été différée et elle sera dans 15 jours. C'est-à-dire que là, entre celle-ci et la fin juillet, on a trois web conférences. C'est un mois riche et productif. Celle-ci, c'est préparation à l'accouchement. Comment la grossesse a été maclée? Ça a été un point très révélateur pour moi et capital. Et du coup, j'en ai sorti plein de petites astuces que je vais vous partager pendant cette web conférence pour ne pas, que vous ne passiez pas à côté de cette préparation à l'accouchement qui est la grossesse. Et c'est une préparation qui est très personnalisée puisque votre grossesse, c'est la vôtre et votre accouchement, ça sera le vôtre. Donc, elle vous prépare à votre accouchement, contrairement à toutes les autres personnes qui peuvent vous préparer. Pour faire ça, beaucoup d'entre vous me connaissent. Je suis sage-femme. Je suis aussi danseuse. Et surtout, je suis curieuse des chemins de vivant. C'est-à-dire que je suis toujours en mouvement, je suis toujours en recherche, je suis toujours en évolution. Et je cherche toujours des chemins qui sont les plus rapides possibles, les plus simples possibles, les plus efficients possibles. C'est ce qui m'amène vraiment dans ma trajectoire à utiliser beaucoup plus ce que la vie me propose que des choses que je vais aller apprendre par des méthodes, par des livres et des choses comme ça. Même si je me nourris aussi des livres. J'ai une tête scientifique quelque part et en même temps un corps très très intuitif. Du coup, tout ce que je vous raconte, toutes les clés que je trouve, c'est l'imbrication des deux. Et la phrase clé, je dirais, que pour ce soir, pour ce webinaire-là, c'est la vie me prépare à ce que je vais vivre. Ça, c'est ce que m'a appris la vie, ce qu'elle continue à m'apprendre. La vie me prépare à ce que je vais vivre. C'est-à-dire qu'elle me prépare au pas que je vais faire devant, même si j'ai l'impression que je sais pas faire, que j'ai pas les outils, que tout ça. Ça n'empêche que si j'ai conscience de tout ce que j'ai derrière, oh, c'est bon, je peux le faire. Et je peux avoir foi dans le fait que je vais le faire et je vais le traverser et je vais y arriver. Je vais y parvenir. Peut-être pas comme je pensais, mais je vais y parvenir. Pour ça, il suffit que je sois à l'écoute pour pouvoir saisir les éléments, prendre conscience de ce qui est derrière moi, de ce dont je suis riche. Ça, on l'a déjà vu dans certaines web conférences. Et être à l'écoute, là, aujourd'hui, ça va beaucoup plus être ça. Être à l'écoute de c'est quoi ce qu'il y a là et de quoi j'ai besoin. Quand j'étais jeune sage-femme, à ce moment-là, je crois que c'est encore un petit peu pareil maintenant, il n'y avait absolument pas de préparation à l'accouchement pendant le programme de formation de sage-femme. Ce qui fait qu'on n'avait aucun accompagnement au niveau psychologique, au niveau accompagnement à la personne et tout ça. C'était juste je dirais de la mécanique obstétricale, très peu de physiologie, beaucoup de pathologies. Voilà. Et moi, je me suis lancée avec ce no man's land quelque part. C'était un espace vierge et la belle connaissance de mon corps que j'avais par la danse. L'art du mouvement qui était à l'intérieur de moi, j'avais toujours dit que mon corps était mon plus grand maître. Et c'est avec ça que je suis arrivée aussi à ma première grossesse. Ma première grossesse, j'étais toute fière, sage-femme, belle connaissance, bon savoir, belle pratique des accouchements. Pas de problème. Je savais faire. Et en fait, j'étais très dans le mental, très dans le contrôle, sauf que je m'en rendais pas compte. Mais l'accouchement me l'a dit. Ma grossesse s'est bien passée, je suis quand même pas mal passée en force. Je crois que j'ai travaillé quasiment jusqu'au bout, j'ai fait des travaux, creusé des tranchées dans mon jardin à 9 mois de grossesse. En fait, tout ce que je déconseille aux femmes à ce moment-là. Et l'accouchement a été long, il a été laborieux. Et ça a été une grosse baffe pour la sage-femme que j'étais de me dire, OK, c'est pas si simple. Du coup, j'aime bien revoir les événements, non pas me dire, oh zut, j'ai raté, j'ai pas su et autres, mais me dire, tiens, mais en fait, de quoi j'aurais eu besoin? C'est quoi ce qui m'a manqué? Donc j'ai ouvert cet espace en disant, de quoi j'aurais eu besoin? C'est quoi ce qui m'a manqué? Et lorsque j'étais enceinte de ma deuxième grossesse, je me suis beaucoup plus laissée porter. Dire que j'ai cherché à être mère et à surtout ne pas être sage-femme. Je voulais découvrir qu'est-ce que c'est que d'être mère. Le premier, c'est comme si j'avais vécu en tant que sage-femme. Et là, c'est quoi ce que c'est que découvrir une grossesse du côté de la mère? Et j'étais beaucoup plus intuitive. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, la grossesse, c'était une mine d'or. En étant à l'écoute de mon corps, je me suis rendu compte que la grossesse était une mine d'or, qu'elle m'amenait. Je découvrais pendant ma deuxième grossesse tout ce qui m'avait manqué pour l'accouchement de mon premier.
C'est parce que j'avais ce vécu, mon premier accouchement, où il m'avait manqué plein de choses et où je savais comment ça s'était fini, que j'avais été plus à l'écoute et je me dis, ah tiens, mais ça m'aurait servi si je l'ai... Ah oui, et si je regardais bien, ça m'avait été servi pendant la grossesse, sauf que j'étais pas à l'écoute, parce que j'étais dans mon mental. Donc le premier point fondamental, c'est d'abord de trouver les chemins dans mon corps. D'abord trouver les chemins dans mon corps. Et là, je vais commencer, non pas à m'adresser aux mamans, s'il y a des mamans parmi vous, mais je vais m'adresser aux sages-femmes, aux accompagnantes, à toutes ces personnes qui accompagnent les mères, qui préparent les mères. Les seules choses que vous allez pouvoir transmettre de manière efficiente, c'est ce qui va passer par votre corps. Donc la seule chose, quand vous voulez faire de la préparation à l'accouchement ou de l'accompagnement à l'accouchement, ou de la, peu importe, c'est déjà d'aller voir c'est quoi ce qui se passe dans votre corps et d'être à l'écoute de votre corps. Parce que si vous n'arrivez pas à être dans votre corps là où vous demandez à la femme d'être, elle ne pourra jamais y être. Parce qu'il y a nos mots qui transmettent, mais il y a surtout notre corps et nos cellules qui parlent aux cellules de la mère. Donc si vous lui parlez des mots et que c'est pas dans votre corps, elle va se rendre compte que c'est pas possible. Donc les mots vont aboutir sur quelque chose qu'elles ne peuvent pas faire. Donc ça va pas passer. Même si ce que vous dites est très intéressant. Ça veut dire que vous allez avoir à prendre du temps pour vous, ça c'est déjà primordial, pour intégrer les choses avant de les transmettre, sentir c'est où ma respiration, c'est quoi mes chemins. Ça va vous amener à personnaliser parce que ça va venir de vos sensations et vous n'allez pouvoir décrire que vos sensations. Même si moi je vous parle de mes sensations, si vous reprenez mes mots pour décrire mes sensations et que vous les transmettez à une femme, ça ne va pas passer. Ça ne passe pas par vous. Et quelque chose qui est génial, c'est qu'une fois que vous aurez intégré ça dans votre corps et que vous le sentirez dans votre corps et que vous aurez ouvert les chemins dans votre corps, donc vous serez présente dans votre corps, c'est la base de la créativité. Donc la base de la créativité, c'est que vous allez prendre plaisir à chaque séance parce que vous allez, ça va être quelque chose de ludique, vous allez jouer avec vos sensations, avec ce qui est là, avec ce que vous ressentez du corps des autres, vous allez improviser sur une base minimale que vous avez dans vos préparations, donc ça va être là aussi beaucoup plus amusant, et puis vous allez pouvoir personnaliser pour l'adapter à chaque personne, donc les femmes, les couples vont être beaucoup plus contents par rapport à ça. Donc trouvez d'abord les chemins dans mon corps, et pour vous en tant que maman, future maman, le fait d'écouter votre corps, c'est votre plus beau gardien. Donc plus vous allez être à son écoute, plus il va vous permettre, ça c'est un petit peu ce qu'on a vu dans la dernière webconférence, c'est comment vivre une grossesse heureuse, c'est déjà de s'adapter. Mais c'est mon corps qui me dit comment m'adapter, puisque c'est dans votre corps que vous êtes enceinte. Et vous allez vous appuyer sur votre ressenti, sur votre ressenti, non pas ce qu'on vous dit que vous devriez ressentir, mais sur ce que vous ressentez. Donc ça vous donne confiance en vous, et ça vous donne confiance en la vie, en ce qu'il y a autour de vous, et en ce que vous avez vécu, en votre expérience, votre expérimentation. Et ça va vous permettre à vous aussi de trouver vos propres chemins. Vous allez prendre ce que moi je vous dis, un petit peu de ce que votre sage-femme vous dit, un petit peu de ce que une amie vous dit et tout ça, et vous allez trouver, et c'est ça qui fait sens pour vous. Et en trouvant votre propre chemin, vous allez grandir en autonomie. Et là encore en confiance, c'est un cercle vertueux. Et vous allez vous rendre compte que vous avez une connaissance qui est bien propre à vous, que vous savez plein de choses. Vous avez un savoir qui est propre à vous. Vous êtes la seule à savoir plein de choses sur cette grossesse-là puisque c'est la vôtre. Moi, j'en sais rien. Donc, vous allez prendre votre place. Donc, c'est des points qui sont... Tout ça simplement parce que vous êtes OK. Oh, ça se passe dans mon corps, donc... Il est temps, si jusqu'à présent j'ai pas été dans mon corps, il est temps d'y aller. Et ça, pendant la grossesse, ben vous avez 8-9 mois. C'est pas mal, mais ne traînez pas non plus. Le deuxième point fondamental que j'en ai retiré, c'est, comme je vous le disais au début, ma grossesse me prépare à mon accouchement. La vie me prépare à ce que j'ai à vivre. Ma grossesse me prépare à mon accouchement. Ma deuxième grossesse m'a préparé à mon deuxième accouchement, pas mon premier. Et si j'avais écouté ma première grossesse, elle m'aurait préparé à mon deuxième accouchement. Sauf que je me suis bouché les oreilles. Déjà, comme je vous le disais lors de la dernière webconférence, l'arrivée du bébé, le placenta, amène un changement d'état de conscience dans votre corps, qui vous oblige à lâcher prise. Comme si ça mettait un petit peu, ça endormait votre mental. Quelque part, vous avez le mental dans le cocon, dans du coton.
Donc, c'est important d'en profiter pour pouvoir effectivement expérimenter d'autres choses. Pendant la grossesse, vous allez rencontrer des douleurs. C'est le moyen d'apprendre à les gérer. Ce n'est pas les douleurs de la contraction, mais ce sont des douleurs. Vous allez rencontrer des peurs. Ça vous apprendra à les apprivoiser. Vous allez être bousculé par les émotions, submergé par les émotions. Waouh, vous allez là aussi apprendre à les accueillir et à les gérer. Vous allez découvrir que vous avez des contractions tous les jours. Ça permet de démystifier, de les apprivoiser. Vous allez vous rendre compte, si vous réalisez ça, que chaque matin, vous vous lancez dans l'inconnu. Vous n'êtes pas comme hier. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas aller dans l'inconnu. Vous avez peur d'y aller. Vous y allez tous les matins, en vous levant. Et il y a aussi quelque chose, c'est que pendant la grossesse, vous avez de multiples rencontres avec le corps médical. Donc, suivant la relation que vous avez avec le corps médical, qui est un corps éminemment masculin, même si ce sont des sages-femmes, dans son principe, il est masculin, ça vous permet d'ajuster votre positionnement par rapport à l'autre, qu'il soit corps médical ou que ce soit dans votre famille. Ensuite, le troisième point fondamental pour moi, c'est, ça vous paraît tout bête, c'est que vous ne pouvez pas accoucher sans vous. Si vous êtes absente au moment de l'accouchement, ça ne va pas se faire. Et vous aurez l'impression qu'on vous a volé votre accouchement. Alors j'aurai l'occasion d'en reparler dans les accouchements sur les naissances, mais ça n'empêche que la grossesse vous donne le temps de vous réapproprier ce nouveau monde. Et de vous le réapproprier et de trouver votre singularité dans ce nouveau monde de la maternité, puisque vous ne connaissez pas le monde de cette maternité-là. Même si vous connaissez peut-être la maternité parce que c'est votre deuxième, votre troisième, votre quatrième. Mais ça n'empêche que cette maternité de cet enfant-là, vous ne le connaissez pas. Et vous allez pouvoir vous approprier, même en étant en présence de l'autre, femme, cœur médical ou autre. Ça va vous amener à revenir au centre de votre grossesse. Ça va vous amener à déterminer ce dont vous avez besoin. Et non pas d'attendre que les autres vous disent de quoi vous avez besoin. Ils n'en savent rien. Ce n'est pas leur grossesse. Ils ont besoin de vous pour vous accompagner. Donc qu'est-ce que vous allez être au rendez-vous? Et ça va vous permettre de faire vos choix, de récolter les éléments dont vous avez besoin pour faire vos choix et pour savoir quel risque vous prenez en faisant vos choix. Et du coup, de pouvoir en assumer les conséquences. Voilà, vous allez vous rendre compte que la grossesse vous donne une foultitude de petites clés, une foultitude d'occasions pour expérimenter des outils, pour trouver des passages, pour oser faire autrement. Ne répétez pas les choses que vous avez déjà répétées. Non, osez faire du nouveau. Faites de la grossesse vraiment une chasse au trésor, un espace de jeu. Et jouez. Et jouez parce que elle vous donne du temps pour expérimenter plein de choses, pour que au moment de l'accouchement, c'est comme s'il allait y avoir tout ce que vous avez récolté pendant la grossesse. Et qu'avec tout ça, il va y avoir une compression du temps et qui va vous obliger à passer dans un goulet d'étranglement. Donc là, vous allez prendre tout ce qu'il y a dans votre besace, vous allez toutes vous rassembler, être au centre, tout ce que vous avez fait pendant la grossesse, et vous allez plonger. Parce que vous avez confiance en vous, parce que vous êtes à l'écoute de votre corps, parce que vous pouvez vous reposer sur ceux qui vous accompagnent. Donc voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment, faites de la grossesse un véritable terrain de jeu. Et jouez, prenez plaisir à être enceinte. Expérimentez la curiosité de découvrir des choses nouvelles. C'est une occasion rêvée. Les hommes n'ont pas cette chance. Les femmes l'ont. Ne passez pas à côté.